Donc, pour démontrer cette propriété, donc ici on a deux droites, comme vous le voyez, deux droites, la droite delta et la droite d qui sont deux droites perpendiculaires. On va construire une deuxième droite qui est parallèle à la droite d, c'est-à-dire une troisième dans cette figure. Une deuxième droite parallèle à la droite d et une deuxième droite qui est parallèle à la droite delta. Donc, ici on a déjà la droite d, nous avons construit une deuxième droite qui lui est parallèle, pardon. Et nous avons aussi la droite delta, nous avons construit une deuxième droite qui lui est parallèle. Donc puisque la droite D et la droite delta sont perpendiculaires, alors il en va de même pour ces deux droites, la droite bleue et la droite rouge, ils sont perpendiculaires en haut. Donc je rappelle ici que si on a deux droites parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite D et le coefficient directeur de cette droite sont égaux. De même, le coefficient directeur de la droite delta et celui de la droite rouge et, sont égaux, sont les mêmes. Donc, par la suite, on va ajouter une troisième droite, la droite qui passe par I. Donc, je rappelle ici qu'on a un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'un repère orthogonal avec OI est égal à 1, OJ est égal à 1. Donc cette droite, la droite verte, elle coupe la droite rouge et la droite delta en deux points. On va les nommer. Donc par exemple, ici on a le point F. Ici on va mettre le point G. Donc on a ici deux points d'intersection de la droite verte avec les deux droites qui sont perpendiculaires en haut. Premier point CF, deuxième point CG. On va projeter, on va construire les projetés orthogonaux du point F et du point G sur les deux axes du repère, c'est-à-dire qu'on projette le point F sur l'axe des abscisses, bien sûr, on obtient ici I, parce que la droite FG est construite de façon perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc ici, on a, bien sûr, les droites sont perpendiculaires. Un triangle ici, qui est le triangle FOG. Ici, de même, on a un angle droit. Parce que je viens de dire que la droite FG est construite de façon perpendiculaire à la droite des abscisses, ou bien à l'axe des abscisses. Donc si je projette les deux points, qu'est-ce qu'on obtient? Si je projette le point F sur l'axe des ordonnées, j'obtiens le point H. Donc ici, on a un point H. Si je projette le point G sur l'axe des ordonnées, j'obtiens un point K. Donc bien sûr, lorsqu'on projette un point sur l'axe sur les deux axes du repère, on obtient ce qu'on appelle l'abscisse. Donc ici, comme vous le voyez, l'abscisse du point F est égale à I et est égale à 1, pardon. Et de même pour l'abscisse du point G est égale à 1. Donc tout simplement parce que si je projette le point F et le point G sur l'axe des abscisses, ils coïncident avec le point I. Donc les projetés orthogonaux des points F et celui du point G coïncident avec le point I. Et le point I, son abscisse est égale à 1. Si je projette le point F sur l'axe des ordonnées, j'obtiens le point H. Donc ici, en particulier, on a ce qu'on appelle YF, c'est l'ordonnée du point F. De même ici, avec le point K, coïncide l'ordonnée du point G, ce qu'on appelle YG. Voilà. Donc ici, on peut calculer le coefficient directeur de la droite OF, c'est-à-dire la droite qui passe par O, le point O et le point F. Donc pour calculer le coefficient directeur de la droite OF, donc je rappelle tout d'abord que la droite OF est parallèle à la droite delta. La droite OF et la droite delta sont parallèles. Or, si deux droites sont parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire le coefficient directeur de la droite delta et celui de la droite OF sont les mêmes. Et dans l'énoncé de la propriété, le coefficient directeur de la droite delta est représenté par M'. Donc on a ici une propriété pour calculer le coefficient directeur d'une droite, on va l'utiliser ici. Donc pour calculer le coefficient directeur de la droite OF, on va écrire ceci, donc c'est YF moins YO, c'est-à-dire l'abscisse du point F moins l'abscisse du point O, divisé par, pardon, ici l'ordonnée du point F moins l'ordonnée du point O, divisé par l'abscisse du point F moins l'abscisse du point O. Alors, comme vous le savez, le point O, c'est l'origine des repères, c'est-à-dire à pour coordonnées 0, 0. C'est-à-dire ici, je peux mettre à la place de YO 0 et à la place de XO 0. C'est-à-dire, il me reste YF moins 0, ça veut dire YF.
sur xf moins xo, ça veut dire 0, donc j'obtiens yf sur xf. Alors que je viens de dire que le point F, si je le projette sur l'axe des abscisses, il coïncide avec le point I, dont l'abscisse est égale à 1. Donc ici, yf divisé par 1, ça donne yf. Donc, le coefficient directeur de la droite OF est égal à yf. De même, on va calculer le coefficient directeur de la droite OG. Donc, le coefficient directeur de la droite OG, donc je rappelle ici que la droite OG, pardon, la droite OG, elle est parallèle à la droite D. Donc, si deux droites sont parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire on peut remplacer MOG par MD sont égaux puisque la droite OG et la droite D sont parallèles. Alors que dans l'énoncé de propriété, le coefficient directeur de la droite D est représenté par petit m. Alors pour calculer petit m, on applique la propriété yg moins yo divisé par xg moins xo. De même, on va remplacer par les coordonnées, les valeurs numériques. Donc yo c'est 0, xo c'est 0, xg, l'abscisse du point G c'est égal à 1. Donc yg moins yo ça veut dire yg moins 0, xg c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, donc yg divisé par 1 c'est yg. Oui, on continue. Donc maintenant on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que le triangle que nous avons ici, le triangle FOG, est un triangle rectangle en haut. Donc c'est un triangle rectangle en haut tout simplement parce que les deux droites sont perpendiculaires en haut. Alors, puisque la droite FG aussi est perpendiculaire à la droite ou bien à l'axe des abscisses en I, alors la droite OI ou bien le segment OI ici représente une hauteur. C'est une hauteur pour le triangle rectangle OFG. Alors, en appliquant le théorème de Pythagore ou bien les résultats qu'on obtient avec le théorème de Pythagore, ce qu'on appelle les relations métriques, alors on a le droit d'écrire bien sûr ceci. Donc, puisque le triangle FOG, ce triangle FOG rectangle en haut, et puisque OI est une hauteur ici du point O, c'est-à-dire le point dans lequel on a l'angle droit, alors on a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore et ses résultats. Donc, en particulier, ce qu'on appelle les relations métriques. Donc, ici, on a OI exposant 2 égale à IF multiplié par IG. Alors, IF, la distance entre le point I et le point F, est la même que celle qui est entre le point H et le point O, qui est égal aussi à YF. La distance qui sépare H à O, c'est égal à YF. IG, on va remplacer la distance IG, bien sûr, par la distance OK. Ici, on a un rectangle ici, donc la distance IG égale la distance OK. Alors, la distance OK est égale à moins YG. Donc, je rappelle ici que YG, c'est négatif. YG, ici, c'est négatif. Alors que la distance est, bien sûr, positive. Alors, la relation entre la distance OK et l'ordonnée YG, c'est que la distance OK égale à moins YG. Donc ici, on va multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1. Donc si je multiplie ici 1 par moins 1, j'obtiens moins 1. Si je multiplie YF multiplié par moins YG par moins 1, j'obtiens YF multiplié par YG. Alors, si oh, ici, nous avons déjà calculé pardon, YF. Donc je peux remplacer YF par M' et je peux remplacer YG par M. Donc finalement, on obtient M multiplié par M' ou bien M' multiplié par M, ça donne moins 1. Donc ainsi, nous avons démontré la première propriété. Donc la première propriété, c'est si on a deux droites perpendiculaires, alors le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.